Merci à tous d'être là. Dans un instant, on va connaître les derniers chiffres du fameux baromètre de l'audio digital, qui se muscle de plus en plus. On le verra tout à l'heure, hein, pour faire la transition avec la table ronde de tout à l'heure. D'abord, Denis, donc partenaire cette année d'Innove Audio Paris, mais intervenant habituel. D'abord, peut-être un mot de Kantar Media et de l'audio digital. Pareil, hein, pour accompagner l'explosion et finalement des usages et des besoins et des annonceurs et de l'univers médiatique, vous avez lancé un certain nombre de choses, hein, je crois, et notamment autour du local. Hein. Avant de répondre à ta question, j'aurais adoré qu'on me présente en arrivant ancien athlète ayant participé aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est un rêve et quand j'ai entendu ton introduction tout à l'heure, j'ai rêvé. Ça fait rêver, ouais. Ça fait rêver. Non, pour répondre à ta question, c'est vrai que par rapport à toutes les discussions qu'on peut avoir avec les annonceurs, avec les agences, avec les médias, en fait, on s'inspire, on écoute et on essaye de faire évoluer toutes nos mesures, toutes nos évaluations. Et là, sur l'audio, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. On a de plus en plus de demandes. De qui ? De la part des annonceurs, des agences et des médias. C'est vraiment, donc ils n'ont pas tous les mêmes demandes, mais il y a toujours des demandes. Et c'est vrai que là, depuis un an ou deux ans, on s'aperçoit qu'il y a un vrai engouement. Donc, en fait, on lance de nouvelles choses où on fait évoluer certaines choses. Donc, le baromètre audio-digital, qui est la première chose qu'on a lancée, on en reviendra tout à l'heure dessus. Donc, on le complète, on le fait évoluer et on a la chance d'intégrer deux nouveaux partenaires que sont Acast et Prisma Media. En fait, Zaya va nous donner tous les résultats dans quelques minutes. 10 acteurs maintenant, hein, c'est quasiment tout à fait, ouais, tous les acteurs du marché. La deuxième chose, c'est sur notre étude Média Marché TGI, où il y a une vraie demande au niveau de l'audio. Et en fait, on change un peu notre approche. Et en fait, on va avoir une approche beaucoup plus globale audio. Et on aura les habitudes d'écoute que l'on va maintenant bien identifier, aussi bien au niveau podcast qu'au niveau radio, qu'au niveau streaming, qu'au niveau plateforme. Et également sur la partie TGI, une deuxième innovation avec Médiamétrie, on fusionne une fusion statistique de nos données TGI avec les données d'audience radio. Donc ça, c'est sur la partie TGI, une étude Médiamarché. Et une troisième innovation, un troisième lancement à partir du 1er janvier, et ça, c'était une demande du marché, c'est qu'on va initier une veille du local. Et on va suivre à partir du 1er janvier des stations locales où on va mesurer les investissements publicitaires, l'ensemble des marques qui sont disponibles sur ces radios locales. Et on va fournir exactement le même détail que ce qu'on fournit sur les stations nationales au jour d'aujourd'hui. On aura des résultats, j'imagine, dans le bump, mais également sur des études ad hoc. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on va fournir ces informations comme on fournit pour les stations soit Île-de-France, soit pour les stations nationales, avec le même type de détails. Et c'est une veille en réel. C'est-à-dire qu'on va vraiment suivre ce qui est diffusé dans les régions au niveau radio. Voilà, le baromètre unifié du marché publicitaire, vous publiez plusieurs fois par an avec France Pub et l'IREP. On va passer à ce baromètre de digital. Peut-être un mot sur l'historique, comment ça s'est passé. C'était une volonté de certaines régies de se dire on va déclarer nos données. Oui, comme tu le disais, donc ce baromètre, on l'a lancé il y a 10 ans. C'était un pari, c'était assez précurseur, c'était un pari parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, le nombre d'annonceurs et les investissements qui étaient sur l'audio digital étaient relativement faibles. C'était un peu anecdotique. Donc en fait, on a lancé ce baromètre avec quatre partenaires que sont Energy, Spotify, Deezer et Target Spot. Et puis au fur et à mesure, on a accueilli de nouveaux déclarants, de nouveaux partenaires. La Gardère, TF1 Pub, M6, Acast, Prisma et qu'on a intégré dans ce baromètre. Donc c'est vrai que ce baromètre permet de délivrer, de faire des études sur les impressions servies. Donc mais c'est également du déclaratif. Hein. C'est du déclaratif. Donc on est capable de fournir en fait les impressions servies, mais également l'ensemble des annonceurs qui sont présents sur l'audio digital, les secteurs qui sont en croissance, qui évoluent, et puis également les investissements publicitaires, puisqu'on utilise la même classification que pour les autres médias, donc c'est comparable. Et par exemple, il y en manque encore là. Alors Prisma et Acast viennent d'arriver, mais il y en manque encore. Tout à fait.
Et donc, en fait, on continue à discuter, mais c'est vrai qu'on commence à avoir une représentation qui est assez large sur le marché. Puis, donc, s'il y a des candidats dans la salle, vous êtes les bienvenus pour participer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui donne de la visibilité. Et par exemple, et on voit que, je ne sais pas si c'est parce qu'on était précurseur ou qu'on a lancé ce baromètre très tôt, mais quand on voit l'évolution du nombre d'annonceurs en audio digital, c'est quand même assez incroyable, puisqu'en fait, en 4 ans, les 4 dernières années, on a une croissance de 3,7 fois le nombre d'annonceurs. Et c'est vrai qu'on dit toujours... Il est en train de te rire ta présentation, Zaya. Oui, toute la présentation, excuse-moi, Zaya. Non, puis je voudrais, avant de passer la parole à Zaya, mais je trouve que ce qui est mesuré permet de regarder les évolutions, permet d'améliorer. Si on n'a pas de mesure, on ne peut pas améliorer. Donc, cette mesure qui a été initiée il y a 10 ans, comme je disais, c'était vraiment une nouveauté, c'était un vrai pari, mais on a vu que c'était quelque chose qui permettait de faire croître, et je pense que ça a aidé. Et donc, c'est vrai que toutes les mesures sont vraiment indispensables pour arriver à donner de la visibilité à toutes ces informations et au marché publicitaire en particulier. Allez, on va passer sur le baromètre, Zaya. Avec plaisir. Chiffre de janvier à septembre, c'est exclusif. Exactement. On va les découvrir ensemble. Donc, sur le baromètre, sur les 9 premiers mois de l'année, on voit ici que le média a totalisé 2,290 milliards d'impressions servies sur l'ensemble du périmètre étudié que Denis vient de vous exposer. Et ça représente une évolution de 8% par rapport à l'année dernière sur la même période. Et si on compare par rapport aux années précédentes, on voit finalement que 2023, on est plus sur une évolution contenue à plus 8% parce qu'on a des différences entre régies, donc une activité très contrastée d'une régie à une autre. Néanmoins, on voit bien que l'activité s'est nettement développée ces dernières années. Et entre 2019 et 2023, on a donc une croissance de plus 74% et même plus 143% comparé à 2018. Donc on a là un indicateur qui témoigne vraiment de l'essor. On ne ment pas depuis 2014, d'ailleurs. On pourrait. Et donc si on regarde ici, on a représenté les volumes d'impression par trimestre sur les 5 dernières années. Finalement, on voit que la croissance plus modeste qu'on a enregistrée cette année, elle trouve une explication ici au niveau de la saisonnalité. On observe une hausse progressive des volumes d'impression chaque année, mais en 2023, c'est le premier trimestre qui a un peu pêché. On est en deçà des résultats de l'année dernière, ce qui a nettement ralenti la croissance du média. Toutefois, on voit aussi que sur le deuxième et le troisième trimestre, l'activité est repartie à la hausse. Et donc, j'ai même regardé les tendances pour vous du mois d'octobre. On est à plus 24% de croissance des impressions servies. Donc, le média semble retrouver une belle dynamique en cette fin d'année. Donc, il y a un bon mood là au mois d'octobre. Il y a un bon mood. Okay. Si on regarde maintenant les 10 premiers secteurs en audio digital, on constate ici des changements dans le classement. Seule la distribution et l'automobile ont conservé leur rang cette année. Ils ont même renforcé leur présence et renforcé leur part de voix avec plus 4 points chacun. Au troisième rang, on retrouve les services qui également ont progressé d'un rang. Idem pour les banques assurances qui étaient 5e l'année dernière et qui se retrouvent 4e, et l'édition qui occupe également un rang un petit peu plus haut. Mais la plus forte remontada, elle revient à l'énergie qui était 11e secteur l'année dernière et qui se positionne 6e cette année. Et on voit à l'inverse que les secteurs culture, loisirs, télécom et mode ont reculé dans le top 10. Et on le voit bien ici, en bas du graphique, où sont représentés finalement les secteurs qui ont le plus désinvesti le média et qui ont ralenti la croissance de l'audio digital cette année, à commencer par les télécoms. Les télécoms ont été 2 fois moins présents cette année. Ils ont été tirés vers le bas par la téléphonie mobile, alors qu'en parallèle, les offres SVOD, replay se sont beaucoup développées mais n'ont pas permis d'inverser la tendance. On a l'informatique bureautique également qui s'est nettement démarquée il y a quelques années, notamment lors du Covid, avec d'importantes campagnes et qui depuis a ralenti le rythme. Et cette année donc est sortie du top avec moins 76% d'impression cette année. Et la mode également qui a réduit d'un quart ses volumes publicitaires du fait d'un repli sur le prêt-à-porter notamment, qui représente toutefois 50% de ce secteur. Culture loisirs également a été pénalisée cette année par un désengagement de tout le segment jeux de hasard, loterie et notamment la Française des Jeux qui y était fortement en repli.
Et enfin, le secteur enseignement-formation, qui recule via de nombreux annonceurs qu'on ne retrouve pas cette année, qui était très dynamique jusqu'à présent. On peut citer par exemple Open Classroom, Ornicar ou encore Enaco. Mais au final, la tendance, elle est plutôt positive, parce qu'on a une majorité de secteurs qui sont plutôt à la hausse, notamment la distribution, hein, on l'a vu, secteur dynamique aussi bien pour les généralistes que pour les spécialisés. L'automobile connaît également une belle croissance sur cette année avec plus 52% d'impressions servies. Et c'est une tendance qu'on retrouve à la fois chez les constructeurs automobiles, mais également auprès des équipementiers comme les fabricants de pneus, par exemple. Concernant les services, les volumes, eux, ont quasiment doublé pour ce secteur, avec une forte activité pour tout ce qui est transport express, transport courrier, via, par exemple, La Poste ou encore Chronopost. Le segment des sites de rencontres également, très dynamique cette année. Toujours. Avec des annonceurs comme Mythique ou Bumble, qu'on retrouve vraiment très actifs. Et également les réseaux sociaux de Meta, puisqu'on a la présence renforcée de Facebook et d'Instagram sur l'audio digital. Le secteur de l'énergie, comme on l'a vu, a gagné 5 rangs cette année, avec 2,7 fois plus d'impressions pour ce secteur, avec des offres d'électricité, des campagnes images, qui sont véritablement les deux thématiques mises en avant cette année. Et au total, on a dénombré 13 annonceurs de l'énergie sur l'audio digital cette année, contre 6 l'année dernière. Donc on a vraiment une hausse aussi de cet indicateur. Et enfin, pour l'édition, c'est surtout l'édition musicale qui a renforcé sa présence, avec plus 61% d'impressions, mais l'édition imprimée n'est pas en reste, puisqu'on est avec une croissance de plus 30%. On en vient maintenant aux annonceurs. Les annonceurs, vous voyez ici que le portefeuille, donc ce que disait Denis, le portefeuille de l'audio digital n'a cessé de croître chaque année. En 2023, on a référencé 1510 annonceurs sur le périmètre étudié, donc qui ont fait au moins une campagne publicitaire en audio digital. Et ça représente une hausse de 78% par rapport à 2022. Et c'est 3,7 fois plus que 2019. Alors, vous allez me dire, on ne sait pas si c'est des exclusifs ou si c'est des radios en même temps. On pourrait le savoir, je n'ai pas fait l'exercice. Enfin, si, je vais vous le montrer tout à l'heure. On peut se dire qu'effectivement, le périmètre a été enrichi, on intègre régulièrement de nouvelles régies, mais finalement, il n'y a pas que ça, puisque si on fait l'exercice à univers constant, c'est-à-dire sur les 4 régies historiques, eh ben, on a quand même 2,2 fois plus d'annonceurs par rapport. Comparé à il y a 5 ans. Donc ça confirme bien le fait qu'on a toujours de plus en plus de marques qui viennent communiquer sur l'audio digital. Et donc, pour répondre à ta question, sur les 1510 annonceurs en audio digital, on a regardé s'ils étaient actifs sur d'autres médias, notamment sur la gauche par rapport à la radio traditionnelle, et puis également par rapport à l'ensemble de l'univers plurimédia. Donc dans le premier cas, on a constaté que 7 annonceurs de l'audio digital sur 10 sont absents de la radio traditionnelle. Donc ça représente à peu près 1100 annonceurs. Parmi eux, on peut citer notamment eBay, l'entreprise informatique Adobe ou encore Nintendo. Et si on regarde maintenant sur la droite par rapport au périmètre plurimédia, on a une tendance inverse puisqu'on dénombre seulement 20% d'annonceurs exclusifs audio digital, ce qui signifie que 80% d'entre eux ont au moins communiqué sur un autre média. Les annonceurs français, a priori, sont plutôt mixtes. Ils sont mixtes, très, hein. plutôt mixtes, au moins sur un autre média. Et ça représente donc ces exclusifs, ça représente 300 annonceurs à peu près. Mais ce sont vraiment des petits acteurs, puisque en moyenne, chacun a diffusé 8800 impressions sur la période étudiée. Et donc pour finir, le top 10, rapidement, avec un quatuor de tête qui est composé des mêmes annonceurs. En revanche, cette année, Intermarché se retrouve au quatrième rang du fait d'un repli d'activité. Il est à moins 24%. Pardon. Donc Leclerc devient le premier annonceur sur la période, sur l'audio digital, avec une croissance à plus 31%. Mais c'est surtout au-delà du top 4 que les mouvements sont intéressants. On retrouve des annonceurs particulièrement dynamiques sur le média et qui font leur entrée cette année dans le top 10. À travers ces annonceurs, on va retrouver naturellement les secteurs dont je vous ai parlé à l'instant, comme ayant été les plus actifs. Carrefour, Amazon et Ikea pour la distribution. L'énergie, je vous en ai parlé, est représentée largement par EDF. L'automobile est représentée par Renault. Et enfin, l'édition musicale avec Universal Music. Donc on le voit ici, tous affichent des croissances à 2, voire 3 chiffres et participent grandement à la bonne santé de ce média. Merci.
En un mot, Denis, puisqu'on a dépassé un peu le temps, tu as vu, de 4 minutes, comment tu vois l'évolution du marché de l'audio? C'est le temps qui est en dessous. En trop, là. On est à plus 4 minutes. Non, en 3 mots. C'est qu'on voit bien par rapport à tous ces chiffres qu'il y a un vrai dynamisme, et on voit aussi que les usages, on l'a vu pendant toutes les présentations préalables, qu'il y a un changement des usages. Donc en fait, il y a énormément de possibilités, et la jeune génération utilise avec les podcasts, où on voit qu'il y a un vrai engouement. La deuxième chose, c'est la technologie qui permet de faire énormément de choses. J'ai entendu le terme tout à l'heure, speech to text, mais il ne faut pas oublier qu'on maintenant on fait du text to speech en intelligence artificielle, ce qui permet de générer du son à partir de texte. Donc, et on voit que l'ensemble des médias qui n'étaient pas forcément audio se mettent au podcast, donc c'est quand même une bonne chose. Et le troisième point, c'est l'attention, parce que je pense que c'est un média qui, au niveau de l'attention, est assez bon, et qu'en fait ça permet de capter l'attention faite des auditeurs. Donc c'est une très bonne chose. Eh ben merci Denis, merci Zaya.